Vous pensez certainement que votre chien est le plus adorable de tous, et nous ne vous dirons jamais le contraire. Chez Planète Animal, nous pensons que tous les chiens, qu'ils soient de pure race ou croisés, sont absolument adorables, car ils possèdent tous des qualités qui les rendent uniques. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux chiens qui ressemblent à des lions. Vous voulez les connaître? Allez, c'est parti! Dog du Tibet. On trouve généralement ce chien avec une crinière abondante qui lui entoure toute la tête, un petit peu comme celle du roi de la jungle. Sa grande taille, ajoutée à son abondante crinière, particulièrement longue sur la tête, le fait ressembler à un petit lion domestique. En outre, l'une de ses couleurs les plus typiques est le camel ou le beige, semblable à la fourrure des lions. Le Chochon. C'est un chien robuste, au corps volumineux et large, dont le pelage ressemble beaucoup à celui d'un lion sauvage. Outre son pelage, le Chocho possède d'autres caractéristiques qui pourraient nous rappeler un lion, comme ses petites oreilles arrondies et son museau court et plat. Découvrez tout sur le Chocho grâce à la vidéo suivante. Spitz Loup. Il est le résultat de croisement entre le Chocho, l'Eckhound et le Samoyed. Le résultat est donc un chien qui ressemble à un Chocho argenté avec des oreilles un peu plus grosses. C'est un chien de taille moyenne, au pelage long et dense, qui se distingue par le fait qu'il est plus long au niveau du visage, ce qui lui fait se ressembler à un petit lion. Petit chien lion. Bien sûr, le petit chien lion ne pouvait pas manquer à cette vidéo. Bien que l'on puisse le voir avec sa fourrure longue, le plus courant est de le voir avec la coupe de lion, qui consiste à laisser le poil court sur tout le corps, sauf sur la tête, le bout de la queue et les pattes. Poméranien. Bien que le poméranien soit plus petit qu'un lion, il se ressemble vachement. Par exemple, le poméranien a aussi le poil plus long au niveau du visage, ce qui lui donne l'apparence d'un petit lion. Malgré la similitude au niveau du pelage, son caractère nerveux et joueur le rend bien différent du félin sauvage. Shih Tzu. Saviez-vous que Shih Tzu se traduit par chien lion en chinois? En fait, il est également connu sous le nom de petit lion oriental. Le Shih Tzu est une race de chiens originaire de la région du Tibet, où il travaillait comme chien de garde. Le fait qu'il ressemble à un lion n'est en rien une coïncidence, car cette caractéristique est renforcée par le biais de croisements contrôlés. Car s'il ressemblait à des lions, il pouvait garder les endroits avec la férocité et la fortune qu'ont les lions dans la culture populaire chinoise. Leonberger. C'est un chien molosse qui vient des croisements entre un Saint-Bernard et un chien de montagne des Pyrénées. C'est donc un chien de grande taille au poil long de couleur brune qui font qu'il ressemble à un vrai lion. Il n'y a pas que son apparence qui nous rappelle celle d'un lion, car en dépit de son énorme taille, il est très agile et se déplace à très grande vitesse. Yorkshire Terrier. Le Yorkshire Terrier est un autre chien lion miniature, surtout quand on lui coupe les poils sur tout le corps à part au niveau de la tête. Son tempérament est aussi proche de celui du lion, car c'est un chien au caractère très marqué. Berger du Caucase. Bien que son apparence robuste, son pelage et sa taille puissent nous rappeler celui du lion, ils ne se ressemblent pas du tout au niveau de leur caractère. Le berger du Caucase est l'une des races les plus calmes, les plus gentilles et les plus affectueuses qui existent. Eurasie. Cette race de chien peut également ressembler à un lion. Cette ressemblance est due à sa fourrure, qui est assez dense et particulièrement longue et touffue autour de la tête. Il possède également une queue recouverte d'une longue fourrure et des yeux bruns très expressifs. Vous voulez connaître d'autres races de chiens? Découvrez de suite notre playlist sur les races de chiens. Alors, est-ce que vous trouvez que ces races de chiens ressemblent à des lions? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. En attendant, à bientôt sur Planète Animal!